Cette vidéo concerne Woidaku. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Image 20 060 416 104 513. YouTube, le passage à niveau juste à la sortie du métro. Image Woidaku. YouTube Woidaku. Un quartier fortement étudié en vue de nuit. Woidaku chinois langue. Zanipi. Woidaku littéralement en chinois. Le cinquième passage à niveau de la ligne ferroviaire Jingbao. Un quartier situé dans le district de Hedian au nord-ouest de Pékin en Chine. Il se situe précisément à une dizaine de kilomètres du centre-ville entre les 4e et 5e boulevards périphériques de Pékin. Boulevard périphérique est bien desservi par les transports en commun avec notamment la ligne 13 du métro de Pékin. Durant les années 1950, Woidaku devint une grande zone commerciale de Hedian à la suite de l'ouverture de nombreux établissements scolaires. Jusqu'à très récemment, au début des années 2000, le quartier était encore majoritairement composé de hutong et d'immeubles datant des années 1970. Importantes restructurations ont toutefois fait disparaître nombre de ces anciennes structures au profit d'appartements plus luxueux et d'installations scientifiques. Woidaku est situé à proximité de plusieurs universités et laboratoires de recherche, dont notamment l'Université des langues et des cultures de Pékin, Université des langues et des cultures, l'Université de Pékin, l'Université Singuan, l'Université de sciences et technologies et l'Université des géosciences de Chine. Une grande partie des habitants est par conséquent étudiantine, comptant aussi beaucoup d'étudiants étrangers. Ce statut officieux de zone d'enseignement international attire ainsi boîtes de nuit et bars généralement moins onéreux que les établissements des zones plus centrales comme Sanlitun. Malgré la présence du métro, la voie rapide Changfu-Changfu-Lu qui traverse le quartier d'est en ouest souffre régulièrement d'embouteillages, y compris en dehors des heures de pointe.